Alternance, emploi, service civique ou travail à l'étranger, le forum des solutions pour la rentrée au Palais des Sports d'Elancourt offrait le jeudi 13 octobre de nombreuses opportunités pour les jeunes. L'idée est de les remobiliser et de leur trouver une solution concrète avec des partenaires, des organismes de formation, la mission locale, le Pôle emploi, etc. On a cherché par cet événement à réunir au même endroit, ils sont au même créneau horaire, des recruteurs potentiels qui ont aujourd'hui une réelle demande, une réelle offre d'opportunités d'embauche. Chaque année, ce sont des milliers de jeunes qui se retrouvent sans solution pour la rentrée. Malheureusement, les jeunes avaient rencontré d'énormes difficultés en matière d'emploi, en matière de formation, d'accompagnement, et qu'il était vraiment utile de se développer. Alors c'est un forum qui existe depuis 3 ans maintenant, on est à la 3e édition, on est ravis de l'accueillir pour la première fois en cours, mais notre devoir, c'est d'accompagner ces jeunes qui sont en recherche et qui ont de fortes attentes dans un climat qui a été fortement perturbé. Je cherche quoi faire après mes études parce que j'ai arrêté ma formation. Qui me plaisait, mais c'est l'école qui me plaisait pas, du coup j'ai arrêté. Et je trouve quelque chose en attendant de recommencer autre chose. Je sors d'un BTS en profession immobilière, j'ai fait un mois là-bas et c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup je voudrais faire un CAP petite enfance. Sur place, des informateurs jeunesse, plusieurs entreprises et des écoles ont répondu présents. Ils étaient là pour conseiller, accompagner et proposer des postes ou des formations. Je présente mes formations, c'est-à-dire que j'ai 2 formations en cybersécurité qui vont démarrer notamment à Elancourt à la fin du mois. J'ai trouvé, elle m'a expliqué du périscolaire et aussi une association de garde d'enfants. Prochain événement sur l'emploi à Saint-Quentin en Yvelines, Sky Emploi fait sa rentrée du 18 au 21 octobre avec une série d'ateliers, de job dating ou encore de conférences.